Good morning, Aleiden. Les tutos aujourd'hui, le lundi matin, moi, Miona Ben Chana, Peggy Batester, Nissim Ben Aouda et Michael Novikov, aussi le Fouat, Vrout Bat Klodin, Traina Simcha Bat Masoudi Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet et Douyot, Perek Bet, Mishnah Gimel. Afhu Eid, Al-Kefar Katan Shaya Betsad Yerushalayim. והיה בו זקן אחד והיה מלווה לכל בני הכפר וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים ובא מעשה לפני חכמים והתירו לפי דרכך אתה למד שהאישה כותבת את גיטה והאיש כותב את שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו ועל מחד שנמצאת בבשר שעשה כנבה ידיים טהורות והבשר טמא והיא נמצאת בפרש הכל טהור. On commençait le Perek Bet avec quatre témoignages de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. On en a vu pour le moment deux, un dans la Mishnah Aleph, qui était l'histoire de brûler en même temps le bassar, la viande, qui était avec un niveau 3, avec un niveau 5 de Touma. Et puis après dans la Mishnah Bet, c'était l'histoire avec la peau du korban qui est devenu tamé. Et dans notre Mishnah, on va compléter en voyant dans une seule Mishnah les deux cas de figure. Le premier, très simple. Le deuxième, Bezrat Hashem, on va s'en sortir. D'abord, premièrement, on lit, on traduit directement la première partie de la Mishnah, c'est vraiment très simple. On va parler cette fois-ci d'un get ou d'un shtar, l'écriture d'un shtar. Qui doit rédiger le shtar? Un shtar, ça se présente avec, on écrit un texte, et puis en bas, on fait signer deux témoins, et c'est les deux témoins qui attestent que tout ce qui est écrit dans le contrat est approuvé, est juste. Et la question est de savoir qui doit rédiger le texte. Alors, Afhu he'id al kefar katan shaya betzad Yerushalayim. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim lui avait encore témoigné que sur un petit village qui se trouvait à côté de Yerushalayim, v'haya bo zaken echad, il y avait là-bas un vieil homme qui était chacham, donc zaken en général, c'est un zaken chacham, zekan chokhma, v'haya malve lechol bnei hakfar, et il prêtait son argent à tous les habitants du village. Vekotev biktav yado, et il se permettait lui d'écrire le contrat avec son écriture. Veacherim chotmim, et il faisait signer d'autres témoins. Et ubam ase lifne chachamim veitiru, et lorsqu'il y a eu un quiproquo entre deux personnes, ils ont amené un tel contrat devant les chachamim de l'époque, et les chachamim ont validé le contrat. On déduit donc de là que quoi? Que l'essentiel d'un contrat, ce qui va approuver et attester que ce qui est écrit, ce n'est pas du tout l'écriture de tout ce qu'il peut y avoir dedans, mais c'est plutôt la signature. Et de là, on va déduire une halakha très importante. Les fidal kecha talamed, selon maintenant ta manière de d'après ce que tu as proposé, alors tu vas pouvoir apprendre une halakha importante. Chez Aïcha, kotevet et gita, une femme qui veut divorcer. Lorsqu'une femme veut divorcer, son mari doit lui écrire un get. Il doit rédiger et là-bas faire signer deux témoins et lui transmettre ce papier. Eh bien, la Mishnah déduit de là qu'une femme, elle peut elle-même écrire son propre guet. Même si ça va être une écriture de femme, et les gens vont dire « Mais c'est toi qui as écrit le contrat, le mari c'est lui qui doit tout faire pour te divorcer, et toi tu dois rien faire. » Eh ben non, c'est faux. Parce que l'écriture du contrat, c'est pas plus sophistiqué que d'avoir fabriqué du papier. Une femme, elle peut fabriquer du papier et le donner à son mari pour qu'il va écrire un guet dessus, par exemple. Eh bien, elle peut même aussi rédiger tout ce qu'il y a dedans, parce que la rédaction de ce qu'il y a dedans, ça n'a aucune valeur, étant donné que l'essentiel du contrat, c'est la signature d'en bas. C'est ce que la Mishnah déduit du témoignage de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Et idem encore, Ve'aish kotev et shovaro, et aussi, un homme peut écrire, moi je vais écrire que vous, Reuven, m'avait, je témoigne, moi je, sous-signé Reuven Israël, avoir remboursé ma dette à moi, Ari Meir Dahan, de m'avoir rendu 10 000 shekels, et après on a deux témoins qui signent en bas. Et tout le monde reconnaît que c'est bien mon écriture, j'écris un petit peu comme ça, farfelu, avec des petits ronds en plus, tout le monde reconnaît, on dit, mais c'est du trafic, c'est ta propre écriture. Eh ben non, parce que l'essentiel, c'est le témoignage d'en bas. On s'en moque qui a rédigé le texte d'en haut. À la limite, même l'encre, elle aurait pu se verser toute seule et écrire et former des lettres. L'essentiel, c'est qu'il y ait deux témoins à la fin qui signent et qui attestent. Et c'est là qui donne toute la force. C'est ce qui donne toute la force au shtar. D'accord? On a fini. Sheen ki umaget ela bechotamav. Car la validation, je sais pas comment on dit, ouais, le fait de valider un get, un contrat, ce n'est fait que par les ela bechotamav.
avec ceux qui vont signer le contrat, c'est eux qui vont le valider, l'approuver, lui donner toute sa force. Maintenant, quatrième témoignage de Rabbi Hanina Sgan Kohanim, accrochez-vous, ça ne va pas être très compliqué, il va falloir à peu près 5-6 introductions, on va s'en sortir, et on commence à dire « Ve'almachat shenimtzet babassar ». D'abord, on évoque le cas, et puis après, on va le situer un peu mieux, selon ce que le Bar Tanoura va nous expliquer. « Ve'almachat shenimtzet babassar », une aiguille qui s'est retrouvée dans la chair, de manière à ce que l'animal n'est pas devenu impur. On parle d'un korban, on a apporté un korban, j'ai apporté mon petit agneau, plutôt ma brebis, c'est un korban tratat, peu importe. Et là-bas, les kohanim l'ont égorgé, et puis ensuite, on a récupéré le sang, on l'a jeté sur l'autel, on a dépecé l'animal, et puis on commence maintenant à couper les parties internes pour pouvoir les apporter, qui pour le misbéach, qui pour les kohanim, on le dépaie, on le coupe en morceaux, puis là d'un coup, lorsqu'on sépare les deux poumons par exemple, on découvre que là-bas il y avait une aiguille. Et cette aiguille-là, on se souvient que c'était une aiguille tméa. Donc il y avait la machat shenimtzet babassar. On a trouvé une aiguille qui était dans la viande. De manière à ce que ça n'a pas rendu taref l'animal. L'animal, il est 100% kasher. Le problème, c'est que cette aiguille, elle était tméa, elle était impure. On se souvient pertinemment, c'est une aiguille qui avait une petite tête un petit peu originale, je m'en rappelle pertinemment. Je l'ai cherché partout, cette aiguille. C'est en fait l'aiguille qui avait touché le mort à l'époque. Donc l'aiguille, elle était tméa. Donc maintenant, il s'avère que j'ai apporté un korban au Beth Amikdash, que je pensais qu'il était tahor. Et puis, une fois que je le coupe en morceaux, je découvre qu'en fait, l'animal, il était tamé. Il y avait dedans une aiguille tméa, impure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah nous enseigne « Shasakin vayadaim tehorot ve'abassar tamé » Le couteau et même les mains de celui qui manipule la viande, lui, elles seront tahor, elles resteront pures. Pourquoi? Parce que pour le moment, le couteau, on ne sait pas est-ce qu'il a touché l'aiguille ou non. Et donc, dans le doute, on va permettre et on va expliquer tout ça, mais Bezrat Hashem, il y a plusieurs introductions. Pour le moment, je veux juste situer le cas bien, traduire les mots, et puis après, on va mettre un petit peu le zoom sur plusieurs détails. Donc, en tout cas, pour le moment, le sakin et même les mains de celui qui a manipulé la viande, elles sont tehorot, elles sont restées pures. Par contre, ve'abassar tamé. Par contre, la chair, elle est impure, et il va falloir aller le brûler dans le bet asrefa, puisque c'est un korban qui est devenu tamé. Ve'im nimtzet ba'peresh. Par contre, si en dépeçant l'animal, après on l'a ressorti les parties essentielles, tout était propre, aucun problème. Lorsqu'on est venu s'occuper des tripes, alors on a nettoyé les intestins par exemple, on a fait passer de l'eau dedans pour bien les nettoyer, les rendre propres, et puis d'un coup, on a vu cette aiguille sortir des tripes. Et bien dans ce cas pareil, hakol taor, c'est ce qu'on appelle le perech c'est tous les détritus qu'il y a dans le ventre qui vont se transformer en fait en excrément. D'accord ? Alors, la Mishnah nous enseigne que « akol taor ». Ok. Donc, en fait, on reprend maintenant succinctement le principe. J'ai égorgé l'animal, j'ai découvert à l'intérieur de la chair qu'il y avait une aiguille tméa. L'animal, il est tamé, mais moi, je suis resté taor et mon couteau, il est resté taor. Tandis que si, si j'ai trouvé ensuite l'aiguille qui était impure, on l'a trouvée à l'intérieur de des intestins, par exemple, où il y avait là-bas les détritus alimentaires, donc qui étaient de la poubelle, tout simplement. Et même si c'était liquide, il s'avère que l'animal, il est entièrement taur. Alors, on va expliquer, il y a plusieurs principes qu'il faut connaître. Tout d'abord, la première règle, une règle qui se trouve dans la Sechet Nida, « Safek Touma Birshut Arabim Tahor, Safek Touma Birshut Ayachid Tamé ». De manière générale, à chaque fois qu'on a un doute dans la Torah, un safek deoraita, ce qu'on appelle un doute, est-ce que la Torah permet ou interdit une chose, dans le doute, on va interdire. C'est vrai pour toute la Torah, avec une exception, on va interdire, mais on va toujours interdire en safek, en doute. Ça veut dire qu'on va devoir se conduire rigoureusement, mais sans être certain que c'est impur, que c'est permis ou que c'est interdit. Dans le doute, on va interdire, mais on reste toujours dans le doute. Et bien pour l'ilchot Touma Vetahara, spécifiquement, est-ce que tu as touché la chose impure ou tu ne l'as pas touché? Il y a une halakha spéciale, très originale, qui est déduite d'ilchot de Sota, que Safek Touma Birshut Arabim Tahor, si tu as un doute, est-ce que tu as touché une Touma alors que tu étais dans le Rishut Arabim, sur une voie publique où il y avait au moins 3 personnes qui étaient là-bas, un endroit fréquenté par du public,
Alors, si tu as un doute, est-ce que tu as touché? Tu es tahor, tu es 100% pur. Et si ça s'est passé, dans un endroit où tu étais tout seul, il n'y avait pas là-bas de public, tu étais vraiment tout seul, tu as eu un doute, est-ce que tu as touché? Et bien, ça fait que tout le monde, dans le doute, tu vas être impur, et tout ça, betorat vadaï, en tant que certainement, on va dire que tu es, c'est sûr que tu es impur, et là-bas, dans le Shetarabi, on va dire c'est sûr que tu es pur. D'accord? Première notion. De ce fait, lorsque tu as un doute dans au Bet Amigdash, le Bet Amigdash est un endroit fréquenté où il y a plein de monde, donc ça s'appelle un Reshut Arabim, puisque maintenant tu as manipulé l'animal et tu ne sais pas ce que tu as touché cette aiguille ou non, alors tu resteras pur. Parce que dans le doute, si tu doutes de ce que tu as touché ou tu n'as pas touché, puisque tu es dans un Reshut Arabim, dans un endroit fréquenté par du public, alors dans le doute tu seras pur. D'accord? Il y a maintenant un deuxième problème technique, c'est que, comme ce que la Mishnah enseigne, par contre, la viande, elle est tméa, parce que la viande elle-même, elle, c'est sûr qu'elle a touché l'aiguille, elle est impure. C'est déjà, on introduit tout de suite la fin de la Mishnah aussi. Lorsque tu trouves maintenant la viande dans un endroit qui était plus consommable du tout, donc en fait, on va dire que tu vas trouver ton aiguille dans un endroit qui était plus consommable, donc tous les détritus qu'il y a dans les tripes de l'animal, ça c'est de la poubelle, on considère que ça n'a même pas touché de la nourriture, ça c'était enveloppé dans de la terre, c'est pas mieux que de la terre, c'est même pire. D'accord, c'est complètement répugnant, c'est dégueu, c'est écœurant, quoi, mais qu'ils ont. De ce fait, alors, l'aiguille, on considère que l'aiguille, elle était enveloppée, donc par une. Elle n'a pas touché la chair de l'animal, donc l'animal est resté pur. D'accord? Ça, c'est pour conclure avec la Mishnah. Il y a maintenant un problème technique. Deux problèmes techniques d'abord. Puisqu'on a dit que l'animal, il est devenu lui-même impur, parce qu'il a touché l'aiguille, et l'aiguille, elle était. Tméa, elle était impure. Alors maintenant la chair, elle est devenue impure. Maintenant il y a un problème, c'est que si moi-même je manipule la chair, normalement je devrais devenir impur, puisque la chair, elle est devenue, par exemple, si l'aiguille, elle était avatouma, la chair, elle est devenue richonne, mes mains devraient être impures, elles devraient être chenilles, la touma au moins, il y a un certain niveau d'impureté qu'il devrait y avoir sur mes mains, et sur ça, Bartenora pose la question en nous rapportant que au Bet Amigdash, il n'y avait pas d'impureté de Yadaim Shniyot. Il y avait le fait que les mains deviennent impures en touchant un richon, par exemple, c'est qu'une xéra des rabanan qui n'était pas en vigueur au Bet Amigdash pour certaines raisons. Il y a maintenant un problème plus technique qu'il faut connaître. C'est que tous les aliments ne reçoivent la touma que s'ils ont été initialement en contact avec de l'eau. Soit s'il y a un fruit qui pousse sur un arbre, pour le moment, il ne peut pas recevoir de la touma parce qu'il est mechouba la karka, il est rattaché au sol. Lorsque je vais couper ce fruit, donc maintenant on a une pomme, si quelqu'un d'impur vient, touche ce fruit, le fruit ne va pas devenir impur. Pourquoi? Parce que le fruit n'a jamais été en contact avec de l'eau. Il y a une halakha spéciale dans la Torah, c'est explicite. Il faut qu'il y ait eu hercher bamaim. Il faut qu'il ait été mourchar une fois, qu'il soit entré en contact avec de l'eau volontairement, même un petit peu d'eau. Dès qu'il était en contact avec, une première fois en contact avec de l'eau, maintenant, même s'il va sécher, il est devenu apte à devenir tamé. La même chose avec une chair d'animal quoi, qu'on va consommer, et ben il faut que cette chair elle soit nécessairement passée dans l'eau une première fois pour devenir impure. C'est une halakha, c'est comme ça. Quoi, la chair yuvah bamaim? Non, il y a marqué dans parashat chukat, je sais plus comment ça rapporte dans le pasuk, en tout cas il faut que tous les aliments impurs entrent une première fois en contact avec de l'eau. De ce fait, on a un problème avec cet animal. Lorsque je l'ai égorgé, j'ai commencé à le dépecer, puis après j'ai ressorti là-bas les parties de chair. Pour le moment, l'animal n'est pas encore entré en contact avec de l'eau. Comment ça se fait que tu me dis que l'aiguille a rendu impur l'animal? Et alors là, l'Agma a posé la question et répond avec une réponse très originale. C'est qu'en fait, on parle qu'un l'animal lui-même, il était mouillé. En venant ici au Bet Amigdash, on est passé par une petite rivière, et donc il s'est mouillé, puis moi j'étais intéressé à ce qu'il se mouille, parce que je voulais qu'il reste mouillé, donc ça a été volontairement que l'eau est venue sur la chair. Pour le moment, l'animal ne peut pas recevoir de touma, parce qu'un animal vivant, un être vivant, ne devient pas tamé. Mais malgré tout, au moment où je vais l'égorger, puisque maintenant il va mourir, il est apte à recevoir la touma. S'il est resté encore humide depuis l'époque, alors là, tout l'animal va pouvoir recevoir la touma, et c'est de cela que la Mishnah nous parle. C'est pour ça que l'animal, que la chair de l'animal, elle est devenue tuméa à cause de cette aiguille, parce que l'animal est encore mouillé en réalité un petit peu. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'Hatzlacha, kol tov, selam.